Et aujourd'hui, pour ce grand angle, direction la Belgique, un pays qui attend toujours son gouvernement. 3 mois après les législatives remportées par les nationalistes flamands, les négociations n'ont toujours rien donné. On nous l'assure, c'est la dernière ligne droite. On va en parler avec nos invités. Ils sont tous les deux en direct avec nous depuis Bruxelles. D'abord, Francis Van de Woestijn, rédacteur en chef à La Libre Belgique, grand quotidien belge. Vous m'entendez? Vous êtes avec nous? Vous allez bien? Je vais très bien, je vous entends très bien. Merci, bonjour. Et il y a aussi Alain Berenbaum, avocat, écrivain prolifique, chroniqueur pour Le Soir, autre grand quotidien belge, concurrent de La Libre Belgique. Bonsoir Alain Berenbaum. Bonsoir. Alors, première question à Alain Berenbaum. On a beaucoup parlé du remaniement gouvernemental en France ces dernières heures. Vous n'avez pas un peu de jalousie à l'égard d'un pays qui, lui, arrive à constituer un gouvernement en 24 heures? Les mauvaises langues diront peut-être que Manuel Valls aurait mieux fait d'attendre encore quelques jours pour avoir une meilleure équipe, et donc que la Belgique, à cet égard, lui montre l'exemple. C'est vrai que tant qu'on n'a pas de gouvernement, on n'a pas eu de gouvernement il y a 5 ans, pendant plus de 500 jours, pendant ce temps-là, on ne critique pas le gouvernement, vous savez, donc la cote de confiance reste assez haute. Donc non, c'est pas de jalousie. Ceci dit, en pratique, nous sommes quand même dans un système tout à fait différent, puisque en France, le gouvernement est composé d'un parti, et je dirais même d'une partie d'un parti, avec un programme préétabli auquel les nouveaux ministres sont obligés de souscrire, alors que chez nous, nous avons affaire à un gouvernement de coalition qui sera en principe composé de 4 partis, et qui discute chaque virgule du programme à mettre en œuvre dans les 5 prochaines années. Donc ça prend du temps. Alors ça prend beaucoup de temps. Francis Van de Woestijn, vous savez, vous, à quelle échéance le gouvernement belge va être composé? Non, ça je pense que personne ne le sait, mais les plus optimistes fixent le terme des négociations actuelles à fin septembre, donc je pense que nous avons encore un bon mois à tenir, mais bon, malheureusement je n'ai pas entendu ce qu'Alain Berenbaum disait, donc je vais peut-être répéter ce qu'il vous a dit, mais vous savez que nous avons une échéance qui n'est pas la même que la vôtre, en tout cas, pour mesurer la longueur de la crise, pour l'instant plus rien ne nous étonne, puisque la précédente négociation gouvernementale, celle qui avait porté au pouvoir l'équipe des Lyonnais Roupaud, donc la négociation avait duré 541 jours. Donc pour nous, quand vous dites vous attendez depuis 3 mois, cela nous semble incroyablement court. Et il faut aussi rappeler que chez nous, pendant les crises politiques, on ne peut pas dire que la Belgique vit sans gouvernement, puisque notre tradition veut que le gouvernement démissionnaire, si vous voulez, reste en place aussi longtemps que le gouvernement n'est pas formé. Oui, donc quand on dit que la Belgique a vécu, courantes, c'est ça, il y a quelques années... Voilà, il gère les affaires courantes et ça veut dire qu'il peut aussi concevoir des budgets. Et même la fois dernière, le gouvernement a aussi participé à la guerre en Libye, ce qui veut dire que les compétences d'un gouvernement en affaires courantes sont quand même très très larges. Mais je pense que jamais nous allons connaître une crise de 541 jours. Si déjà les choses peuvent se réaliser en 3, 4, même 5 mois, on pourra dire que c'est quasiment un exploit, parce que quand même la forme qui est en négociation pour l'instant est totalement inédite. Alors justement, on va revenir sur le caractère inédit de cette coalition. Vous l'avez dit, Francis Van de Woestijn, 3 partis flamands, 1 parti francophone. C'est du jamais vu. On parle d'ores et déjà d'une coalition kamikaze. Alain Berenbaum, pourquoi est-ce qu'on est aussi sévère d'avance sur un gouvernement qui n'a même pas encore été formé? Oui, ce sont surtout les francophones qui sont sévères, les francophones qui ne seront pas de l'équipe, qui sont sévères vis-à-vis du parti libéral, le MR, qui lui en sera. Il faut dire que dans la précédente législature, les Flamands n'avaient pas la majorité au Parlement flamand. Donc, en quelque sorte, on renvoie l'ascenseur. Cette fois-ci... c'est le parti francophone qui sera au pouvoir si les négociations aboutissent, parti libéral, MR, sera effectivement minoritaire dans le Parlement francophone, même si l'ensemble des 4 partis aura bien sûr la majorité au Parlement fédéral.
mais c'est la complication belge qui veut que il faut avoir une majorité au fédéral, mais pas nécessairement dans le groupe linguistique que les partis représentent. Francis Van de Oostin, on parle aussi d'une coalition à la suédoise. C'est un rapport avec une certaine marque de meubles en kit ou Non, pas du tout. Justement, pour éviter que l'on n'appelle ce gouvernement kamikaze, qu'il faut reconnaître qu'on ait évidemment une fin un peu brutale, les négociateurs ont essayé de trouver une autre appellation. Et en fait, c'est un journaliste flamand du journal de Standard qui a trouvé cette appellation à la suédoise. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'en Belgique, chaque parti a une couleur politique. Les socialistes sont les rouges, les libéraux les bleus, etc. Et donc cette fois-ci, quand on, les gouvernements qui négocient, donc il y a les bleus, il y a les libéraux, il y a les nationalistes qui sont plutôt jaunes, et à ces deux partis se sont associés le CD&V qui est un parti social chrétien, donc d'origine chrétienne. Et donc c'est la croix, si vous voulez, qui est au centre du drapeau suédois. Donc il y a du bleu, du jaune et la croix. C'est ainsi que est née l'idée du gouvernement, du gouvernement suédois. On les appelle d'ailleurs les Suédois. Je ne sais pas du tout quelle est la réaction des Suédois quand ils savent que nous avons honteusement copié leur drapeau. Oui. Mais, puis-je encore dire quelque chose sur la longueur des négociations ? Peut-être que ça peut effectivement surprendre un téléspectateur français. Il faut savoir que notre régime politique est diamétralement différent du vôtre, puisque nous avons l'habitude de constituer des gouvernements de coalition, puisque nous avons un système qui est ultra proportionnel. Et pour vous donner une image, nos gouvernements sont souvent composés des extrêmes. Autrement dit, c'est comme si en France, il fallait mettre dans le même gouvernement Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou et Jean-François Copé. Vous imaginez un petit peu la difficulté que ça représenterait, puisque aujourd'hui, on voit que même entre socialistes, c'est la zizanie totale. Et j'imagine que si c'était aujourd'hui, s'il fallait faire un gouvernement avec un seul parti, avec l'UMP, ce serait aussi le chaos total en France. Donc, c'est pour ça, je dirais, que les négociations en Belgique prennent toujours beaucoup de temps, parce qu'il faut donc associer des tendances politiques différentes. Non seulement elles sont différentes sur l'échiquier politique, mais elles sont également parfois opposées entre le nord du pays et le sud du pays, voire même le centre. Alain Berenbaum, avoir effectivement des partis extrêmes au sein d'un même gouvernement, est-ce que ça signifie que c'est le communautarisme qui s'exprime réellement dans la politique belge aujourd'hui ? Il faut dire que le gouvernement sortant a été composé par le Parti socialiste, le Parti social chrétien et le Parti libéral, donc ce qu'on appelle chez nous les partis traditionnels, pour fabriquer une réforme de l'État qui a considérablement vidé le pouvoir central, le pouvoir fédéral, de ses compétences. Et donc, le nouveau gouvernement va se retrouver en réalité à devoir appliquer une réforme de l'État avec des régions qui seront composées de gouvernements dirigés par des majorités différentes. Donc c'est un véritable casse-tête. Et donc quand vous parliez de meubles suédois, c'est vrai qu'il y a un côté mal monté ou difficile à monter. J'ai toujours raté tous les modes d'emploi des caisses en question. Et donc on a un petit peu l'impression de ce qu'on appelle en bruxellois un brol. Le brol, c'est une machine mal montée, un machin qu'on ne parvient pas à, et qui reste donc un peu comme ça à moitié inachevé. Et on a cette impression-là. Donc c'est vrai que, cela dit, les partis qui seront au pouvoir ont cette fois une cohésion. Le gouvernement sortant a été composé de contradictions, de paradoxes, les socialistes et les libéraux en même temps. Cette fois-ci, il faut bien dire qu'il y a au moins une cohésion. Ce seront des partis de droite qui s'assument comme tels et qui nous annoncent qu'ils vont mener une politique de droite. Et ça, il y a très longtemps en Belgique qu'on n'a pas eu. Merci Alain Berenbaum d'avoir répondu à nos questions. Merci à Francis Van de Oostin d'avoir été également avec nous en direct de Bruxelles, et on attend donc la composition de ce gouvernement. Si j'ai bien compris, ce sera d'ici un petit mois. On attendra ça avec impatience.